spécial Christmas, hein? Plutôt spécial Meianjou Nayatsu. Joyeux anniversaire, mec. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tu vois, Likem, on t'a bien eu, hein, bâtard. Alors, Likem, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et comme tu nous l'as dit plusieurs fois, on fait rarement quelque chose pour ton anniversaire. Bon, en même temps, c'est en novembre, c'est jamais les vacances. Un mince sévère. As I was saying before I was rudely interrupted, on fait rarement ton anniversaire. Parce que, comme je disais avant, ben, c'est pas pendant les vacances, c'est une période un peu bizarre. Alors cette fois, on a décidé de te faire une petite surprise. Comme tu deviens un vieux crouton et que tes amis sont un peu partout, on a décidé de te faire une petite surprise. Et j'ai aussi décidé de faire ça en mode vlog. Comme tu es un grand youtubeur avec plus d'une centaine de subscribers, enjoy. Yes. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y aura quoi? Environ 3 surprises. Alors là, on a déjà la première surprise. J'espère qu'elle va te plaire parce que je sais que dans ta tête, tu vas être en train de gueuler, mais même pas dans ta tête. À haute voix, tu seras là, bâtard, pourquoi tu m'as pas dit? Bref, alors, voici ta première surprise. Ta-da! T'es trop con, mec. Ciao, mec. Joyeux anniversaire, Minus. Vieux crouton, là. Mm-hmm. Attention à ton dos, hein. Attention. Bref, alors, surprise numéro... On dit un ou Uno. Une? Une. Numéro un? Une. Bref. Numéro un. Ouais, la numéro première... Un, la... Bref, ta première surprise est là. Maintenant, on va aller prendre la deuxième. Miam, à toutes. Alors là, nous avons tout le cadeau. Il est pas mal, hein? Nouveau peigne, comme ça, tu pourrais être coiffé comme il faut. Ace knife combo. Ellie, t'es encore en ville? Moi, en fait, je vais y aller maintenant pour Tanigami, vérifier ce qui est arrivé pour moi. Parce que je sais franchement pas que j'ai pu commander, qui a pu prendre plus d'une année à venir. Et ouais, je pense que ce sera la dernière fois que j'y passe. Bon, à bientôt. Ciao. Salut, ouais, je suis encore en ville. Si tu veux, on revient ensemble. Après, on voit où je te passe la voiture, quoi. Alors, t'as déjà vu une surprise, ce bâtard juste là. Et là, nous sommes en route pour... Nouvelle auto. Et puis, je pense que tu vas kiffer. On espère que tu vas kiffer. Ouais, c'est bon, c'est exotique. Super exotique. T'inquiète, c'est pas une meuf, ça serait juste inapproprié. Ah oui, c'est là. Je pensais qu'on avait déjà passé. Ah non, faut faire comme ça, c'est comme ça qu'ils font les blogueurs. Ouais, c'est vrai. Oh, on n'a pas de selfie stick. Et puis on filme avec une caméra un peu pour Rav aussi. Ah, c'est là. Alors, nous voici, tu reconnais? Donc en fait, je t'ai menti, je te fais pas de gâteau. Je voulais m'oublier. Non, mais crois vraiment que je lui fais un gâteau, le mec. J'avais le sang mon plus ce matin, j'étais au lit à 5h15. Ouais, c'est ça. Que j'y vais vraiment. Non, ça va aller. Pourtant, il a mis tous ses alarmes et tout. Ouais. Et voilà.
Ça se dit maintenant. Alors, nous avons récupéré ton gâteau. On va te le montrer plus tard. Pardon ? Non, faut pas être timide. Donc, Hiram, ton gâteau qui est pas ouvert. Et qui va te dire qui a fait ton gâteau, c'est non, ça ? C'est pas moi. Oh, dommage. Mais elle nous l'a passé, donc voilà. Cool. Les anniversaires. Marie aussi ? Non. Merci. Alors. Espèce de singe, hein. Oh. Alors. Parce que j'aime bien Diddy Kong. Bref, on a ton gâteau. Cake acquired. Hé, hey, j'avais pas vu, elle nous a filé. Ouais, elle nous a filé, elle a dit qu'on pourrait prendre avec le café. Hein. Ah, trop cool. Elle est sympa, hein. C'est du des noix au chocolat. On a bien besoin de dépiler de lactose. Ouais. You have no idea. Bref, on va aller dans la voiture et puis on va te montrer ce gâteau, ouais. Je fais que le regarder au mauvais endroit. Comme on te l'a promis, on va te montrer le gâteau. Et hein, fais-nous les honneurs avec ce creepy face. Mr. Creepy Face, Mr. Creepy Face. Mon visage est parfaitement normal, ok? It's creepy. Allez! Non, mais pas de ça, ça a l'air tellement beau! Putain, j'ai envie de bouffer maintenant. On bouffe avant? On bouffe maintenant, là, c'est bon. Ils sont pas obligés de savoir qu'il y avait un gâteau. Ah, mais c'est vrai, hein? Personne ne sait qu'il y a un gâteau. Mais regarde-moi ces couleurs. Mais sauf que Ram, t'es un peu salaud, hein? Quoi? Le gâteau, c'est ta couleur préférée, non? Oh. C'est pas moi qui l'ai choisi, oh. Ouais, mais un peu de respect pour le birthday boy, là. Regarde-moi ça. Mais tu peux arrêter de faire ça avec tes lèvres. Regarde-moi ça, il est magnifique. Allez. À bientôt, petit. Tu vas bouffer ça et tu vas kiffer, ouais. Je suis sûre que c'est tout noir, on ne voit même pas. Allez, comme ça. Ah là, c'est peut-être mieux, je sais pas, on verra après. T'as intérêt à kiffer ce gâteau, mec. Si tu l'aimes pas, ce sera pourri. Qu'est-ce qui sera pourri? Je suis pas rien. Ouais, les cams, ça sera pourri, hein. That ain't an open-ended thread, man. It's the plain old threat. He gonna come through. Like a Kool-Aid man. Oh, laisse tomber. Bref, nous on va venir te voir à H&M. Bon, moi je vais venir te voir à H&M et Ram il sera caché sûrement. Certainement. Dans les parages. Peut-être que tu l'as observé de loin. Les yeux. Ceinture fou. Tan 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 tan. Bref. Je vais te filmer. Ah oui, ça serait pas mal ça, ça serait pas mal ça. Ouais, ok. Bon, à toute. Manifestation. Magnifique. Bon, on va aller les retrouver, hein, quand même. Il les a rattrapés. Vous voyez sa petite tête, là. C'est lui, là. Licker. Ah, putain. Quoi que donne, il y a Eli là. Je sais pas si vous voyez. Je viens de te dire par où passer pour rentrer pour éviter les embouteillages. Et tout ce temps, Hiram nous suivait. Ah non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Tout ce temps, Hiram nous suivait en fait. Comme tu peux le voir, il est là. Et puis toi, tu vas essayer de passer au magasin japonais. Tu te retrouves.
Oui, pour des... Comment ça s'appelle? Des mochis, ouais. Mais il va se retrouver, je pense qu'il va se retrouver coincé dans les embouteillages. Il est là? Bref. Il est où? C'est toi là-bas, Likem? C'est toi là-bas? Yeah. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Mario. et vous monsieur, qui êtes-vous? Bruno, enchanté. C'est vrai que t'as une tête de pédé. Hein. Bon tu vois Likem, on t'a bien eu hein, bâtard. Et what's up? Elle est bien ta coupe de cheveux, hein, à part ça. C'est un albanais. Ah ouais? C'est un albanais. Il s'appelle comment? Bergim. Il est du mal. Oh, le petit couple. Attends, mais vous signez les deux? Ouais, on signe les deux. On s'en met tout dedans. Non, on est en train de signer ta carte, en retard. Hey, mais tu es en contact avec eux? Ouais, ils ont dit qu'ils arrivaient? Oui, ils sont garés. Mais donc ils vont arriver là maintenant quoi? Quoi? Ils vont arriver là maintenant quoi? Ouais. Et à part ça, tu peux t'occuper de fumer un peu? Et je vais faire genre, je vais au chiottes et après je vais venir. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais. Ah bah voilà. Il y a Happy birthday, Mario. Thank you. Oui. J'ai même pas mal aux jambes, j'avais pas besoin de marcher lentement. Ok, donc là on vient de passer à Tanigami. Hein. Le hot dog factory là, le hot dog factory vient d'ouvrir à côté. Ouais, pas mal, ça passe, hein. Les hot dogs en Suisse enfin, pas mal. Peut-être, je sais pas quel goût ça, mais sérieux les gars quoi. Il y a que la Suisse pour faire payer 9 balles une saucisse et un bout de pain. Une saucisse et un bout de pain. Je vais jamais pleurer. C'est quoi ce bon dans le du corps? Non, ça allait pour toi, mais... Je t'ai juste dit de pas porter jeans baggy de toute manière. Non, j'avais pour quoi? Toi, c'est soit jeans baggy, soit c'est ça. Putain, c'est quel portant, ces gars. Ah, merci. Likem, il y a tellement de choses à te raconter. Ah ouais. Tu vas être choqué, Likem. Ça fait longtemps. Tu vas être choqué. Non, j'ai toujours fait mal, merde.
poulet. Ah, tu veux gratter c'est la peau. Tu veux la peau du poulet, elle est bonne, alors ça met vraiment grasse, grasse. Moi, ça me dérange pas, mais... Oh, connard. Ah, vous regardez plus par ici à votre... Ça, c'est la peau. Ouais, j'ai dit non parce que je voulais. Attends, attends, ok. Erab ? Oui, oui. Ok, j'ai pris les gâteaux pour votre. Ouais, santé. On y allant. Santé. Campagne. Bon anniversaire, les Kem. Merci pour tout. Bon anniversaire, les. Merci pour ton invitation. Je sens qu'il va faire la vaisselle ce soir. Campagne. Je pense que tu t'aimes bien. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, allez, speech, 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 speech. Hooray! Not sure anything. Tu nous fais pas un petit discours? I don't know how the kind of. Oh! Alors, les cas, un petit speech? Un speech. Je suis content d'avoir pas pris de dessert. Au moins des remerciements. Like and subscribe. Ouh, ouh, ça devient official. Don't forget to hit the button. Like and subscribe. Smash that button. J'ai pas de micro, parle plus fort. Je sais pas de quoi j'avais l'air en rentrant ici, mais seulement. Tu verras les photos. Je pourrais les voir. Et ouais, je suis vraiment content parce que c'est vrai que moi je suis pas le genre de gars qui voit ce jour comme un truc important, mais le fait que j'ai des amis qui sont prêts à pousser à le célébrer, à même mentir pour le célébrer. Oui, mais t'as vu les Kem, je t'ai menti. Hein. Oui, tu m'as menti aussi. Elle m'a dit qu'on est en train de faire un gâteau. Oui, le fait que vous êtes même prêts à mentir pour. Bon, faire un moment comme ça, c'est tellement heureux. Et je suis vraiment chanceux de vous avoir comme écoute. Alors, merci à tous. Oh my God! I knew as well. Quand il m'a dit que Eli m'a dit de ramener un truc pour Erab, je l'ai comme. Tu t'en es pas douté? Tu croyais que c'était quoi, mec? Quand on est en retard pour un zéro. Attends, mais elle t'a juste dit genre prends ce sac. On en aura besoin. Lui m'a dit de l'amener pour elle. C'était dans une boîte. Ah, ok.
Merci, Lia. C'est pas pour niquer, hein, c'est pour payer un jean à un truc. Ouais. Ouais. Game on the throne. C'est bon, ça va, salut, salut. Oh putain. Ouais, pro streaming. En plus, j'ai fait de la recherche sur ce tweet. Attends, c'est qui l'a deviné? Devine. On va avoir un enfant. C'est moi. Je dis soit Eram, soit. Rémi? C'est qui? Non, c'est parti. Tu l'as blessé? J'ai fait ça pendant mon heure de travail. Je dis à tous mes collègues, et les gars, laissez-moi la caisse. On a dessiné un super dessin pour vous. Merci. C'est cool d'être patron, je te jure. C'est cool. Protégez-moi. Oh putain. Ouais, c'est mon tâche. Bon, pour une victoire, il a une victoire. Une fois, c'est le temps. Ça sent tellement la mort. Ça sent tellement la mort. Un streaming, il dit pas de. Pas une soirée, non. Une seule fois. C'est dans la pune seule fois. Tu dis qu'elle vient pas pour un tournoi et puis tu le balances à la C'est nouveau ça, non? Rolex, parti, McDonald's, café, pas mal, pas mal. On va découvrir un peu la ville, là. Comment ça a changé depuis. Yeah, I ain't talking about no O's, no G's, I'm just rapping, chilling on this mic and flash some keys, showing you I got the last to lead, and if you're down with it, start prep because I'm ready to leave. With my boy Diddy, gonna show me how we gonna do it at the party tonight. When I'm chilling with my bro LKG, you know it's how we do it. That's right, yeah. That's right. Fnac rap. That's how we do it in Geneva, G-Town.